Bon après-midi. Bon après-midi. Moi, je m'appelle Mathieu. Et moi, c'est Sophie. Et bienvenue à la 5e épisode de l'Ordre de Jacques Cartier, tombe 1, un mystère à Ontario. Puis on espère que vous avez passé une superbe fin de semaine. Puis aujourd'hui, assurez-vous d'avoir quand même vos décodeurs ainsi que vos feuilles de suivi à vos côtés afin de pouvoir passer à notre défi d'évasion à la fin de l'épisode. Avant qu'on commence, on aimerait ça remercier notre admirateur secret, Eric, et tous les autres qui nous ont envoyé des lettres récemment. Ça nous fait chaud au cœur de lire vos lettres et on aime ça, on aimerait ça entendre vos nouvelles prochainement. Oui. Puis Eric, spécifiquement, m'a posé la question « Comment êtes-vous retrouvé dans une bande dessinée? » Puis ma réponse pour toi, Eric, est que la vie est remplie de surprises et d'aventures. Et parfois, des mystères provinciaux, dont en Ontario. Donc, en gros, ma réponse est « On le sait pas, mais on s'amuse quand même. » Donc, aujourd'hui, notre question brise-glace, afin d'apprendre à vous connaître, puis pour que vous appreniez à nous connaître, est « Comment aimes-tu tes œufs? » Oh, mes œufs. Une question qui divise. Donc, mettez vos réponses dans les commentaires. Si j'avais à choisir quel genre, comment j'aime mes œufs? Moi, je pense que je dirais que j'aime mes œufs brouillés. J'aime ça, mes œufs scrambled, comme on dit en bon français. C'est parce que je trouve que, tu sais, c'est pas difficile à faire. Parce que c'est souvent, quand tu fais tes œufs brouillés, c'est souvent que t'as fait l'erreur de. Peut-être, t'as essayé de flipper ton omelette, puis finalement, t'as fini par détruire ton omelette. Puis là, t'es comme, ah non, mais en réalité, tu viens de créer un chef-d'œuvre, un canevas vide, blanc, rempli de possibilités. Tu peux rajouter tellement d'ingrédients dans les œufs brouillés. Tu peux mettre du fromage, des oignons, du poivre, toutes sortes de choses. Puis c'est tellement bon, les œufs brouillés. Oh. Juste en parler, ça me donne le goût d'en manger. Hein? Fond, Mathieu aime les œufs brouillés parce qu'il n'est pas capable de faire d'autres genres d'œufs. Ça, c'est une... Ouais, mais ça, c'est un détail. Moi, personnellement, je sais pas comment on dit ça en français. Si vous connaissez la réponse à cette question, s'il vous plaît, faites la recherche ou mettez la réponse dans le commentaire, ça m'aiderait plus tard dans mon futur. J'aime mes œufs over easy, c'est par-dessus facile, je sais vraiment pas comment ça se dit, mais en gros, j'aime ça un jaune d'œuf qui coule, puis tu trempes ta toast à l'intérieur, puis c'est succulent, c'est fantastique. Mais tu sais, le jaune d'œuf, à première vue, ça a l'air un peu étrange, c'est un liquide jaune gluant qui est à première vue, puis c'est un peu déplaisant à voir, mais une fois que tu trempes ça avec un pain beurré passé dans le toaster, c'est une un voyage. Ben oui. Un voyage. Oh, super, mais tu sais, toute cette jasette de nourriture, ça me donne le goût de continuer comme ça, j'aurai le temps d'aller me faire des omelettes après. Fait qu'on se dirige-tu vers la lecture? Oui! Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, la dernière fois, on s'évadait du loup-garou quand on a fini la lecture. Ouais, mais pourquoi tu t'étires de même? Ben, tu sais, pour éviter les crampes musculaires quand on va commencer notre course. Ok, t'es conscient du fait qu'on continue la lecture, hein? On va pas réellement courir? Ouais, c'est plutôt un état mental. Tu sais, je veux que je sois conscient que vraiment je pars à la course, tu sais, que je me fais vraiment courir après par un loup-garou, tu sais. Ok, je pense qu'on va commencer la lecture avant que Mathieu commence à faire des étirements particulièrement spéciaux. Vite, le tout. Ton oncle était pas fou. Il faut trouver à Déo la chance. Excusez-nous, on cherche Aldéo Lachance. C'est moi, Aldéo Lachance. Y a pas de l'air trop chanceux. On vient du chalet d'Edouard à Thunder Beach. On a un monstre à nos trousses. Pouvez-vous nous aider? Vous êtes qui? Je suis le neveu Edouard. Venez vite.
Je sais ce que vous cherchez. On cherche pourquoi exactement? Édouard puis moi, on était de bons amis. Mais les monstres ont eu raison de lui. À cette heure, on est tous en danger. Je suis le dernier gardien de la région. Ceux qui ont été martyrisés dans les années 1600, là où est l'église, étaient membres de l'ordre de Jacques Cartier. Je sais que c'est pas ce que vous avez appris à l'école, mais toutes ces souffrances ont été causées par des monstres qui voulaient s'approprier notre arme secrète. En 1964, on a déplacé un artefact au village de Sainte-Marie au Pays des Hurons, puis on l'a mis bien en vue. Les monstres sont peut-être forts, mais ils sont pas tellement intelligents. Suivez-moi, c'est dans la chapelle. Lave-la. Ouh! Elle est vraiment belle, la chapelle. Très belle. C'est... Oui, mais on va se le dire, Aldéo Lachance, c'est un gars étrange. Très, très étrange. Oui, puis... Mais tu sais qu'est-ce qui serait encore... Non, malchanceux aussi. Ouais. Tu sais qu'est-ce qui serait encore plus étrange? Non, quoi? Ne pas faire de vocabulaire cette semaine. Ben oui, parce qu'à chaque semaine, on fait du vocabulaire, fait que ça serait étrange qu'on fasse pas de vocabulaire, je comprends. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons faire un survol de toutes nos expressions, suivi par un survol de toutes nos définitions, pour conclure avec notre activité de vocabulaire. C'est bien donc, dit. La première expression qu'on va voir aujourd'hui est « ya ». En anglais, ça se dit « there is ». Puis, si je le mettrais en contexte, je pourrais bien dire « il y a des jours où j'ai de la chance ». Il y a des jours où t'as pas de la chance. Il y a des jours où t'es à l'idée la chance. C'est bien dit, ça. Continuons. La prochaine expression s'intitule « avoir l'air ». La traduction en anglais, « to look like ». Et si on met ça en contexte, l'as-tu vu? Il n'y a pas de l'air trop chanceux. Ah, comme tu disais. Oui, effectivement. Donc, la prochaine chose est « à nos trousses ». En anglais, on our tail. Puis si je pourrais le mettre en contexte, je pourrais dire « il y a un loup-garou à nos trousses ». C'est vrai. Alors passons au prochain mot de vocabulaire, celui-ci étant « martyrisé ». La traduction en anglais, « to martyr »,« to torture ». Et si on met ça en contexte, « je suis le dernier ange gardien de ceux qui ont été martyrisés ». Je suis pas grand fan de ce mot-là. Non, non plus. La prochaine chose est « mettre en vue ». En anglais, « to put on display ». Puis pour le mettre en contexte, je pourrais dire « j'ai placé mon trophée bien en vue de tous ». Et passons à la dernière expression des mots de vocabulaire, celle-ci étant « lave-la ». La traduction en anglais, « there she is ». Et si on met ça en contexte, « lave-la », la célèbre chapelle. Donc ça, c'était toutes les expressions, termes ou vocabulaire qu'on va associer aux définitions. Donc, faisons un survol de toutes nos définitions d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous commençons avec « se présenter »,« donner l'impression d'être ». Suivi par « variante de il a ». Suivi par « faire souffrir physiquement et ou moralement ». Suivi par « à la poursuite de quelqu'un pour l'attraper ». Suivi par « contraction de voilà ». Et conclu par « disposer pour l'exposer au public ». Donc, on peut passer à l'activité. Alors, commençons avec le mot « ya ». Puis, n'oubliez pas de mettre vos réponses dans les commentaires afin de pouvoir nous aider avec cette activité. Il y a quand même, il y a toutes les six mots, les six définitions, pardon, donc c'est un peu difficile de commencer à déduire dès le début. Ça prendrait quand même assez de temps pour défricher ou décoder tout ça. Attends, tu viens de faire l'affaire. Ah non, je suis coupable d'avoir fait l'affaire. Ouais, tu viens de mettre le mot dans une phrase, puis là, faut juste qu'on regarde les définitions, puis on va être capable de découvrir c'est quoi au juste que le mot signifie.
Alors, si on y pense, peux-tu redire ce que tu viens de dire? Ça me ferait plaisir. J'ai dit, il y a 6 définitions. Il y a 6 définitions. Il y a 6. Il y a. Ah, oh, mais regarde juste là. Variante de il a. Il a 6 définitions. Alors, variante de il a est effectivement la définition de il y a. Il y a. Yay! Il y a. Hey, c'est réussi. Parfait. Bon. On peut passer à la prochaine, qui est « avoir l'air ». Avoir l'air. Genre, avoir l'oxygène, c'est ça? Je pense pas c'est ça. Non? Avoir, non, non, non. Avoir l'air. Avoir l'air. Mais tu sais, quand quelque chose a l'air de quelque chose, tu sais, ça... Ça donne l'impression, genre? Quasiment. Ça, avoir l'air, tu me donnes l'impression, tu me présentes quelque chose, quelque chose du genre. Si vous connaissez la réponse, n'hésitez surtout pas de le mettre dans les commentaires. Pourrais-tu qu'il y ait une définition, peut-être avec impression ou présenter d'une certaine façon? Ouais. Oui, c'est se présenter, donner l'impression d'être. Mais oui! Et voilà! Donc, parfait. Avoir l'air, c'est bel et bien se présenter, donner l'impression d'être. Félicitations, chapeau. Alors, passons au prochain, à nos trousses. À nos trousses. Peut-être disposer pour l'exposer au public? Je pense pas que c'est tout à fait ça. Non? À nos trousses. Mais ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, le loup-garou qui était à nos trousses. Oui, le loup-garou qui nous poursuivait pour nous attraper. Oui. T'aurais-tu super à ça? Ah. Une définition, peut-être, qui a rapport avec ça? Fortement possible. Fortement possible? Ah ben oui, regarde, à la poursuite de quelqu'un pour l'attraper. Et voilà! Alors, on peut dire qu'à nos trousses donne la définition à la poursuite de quelqu'un pour l'attraper. Non, mais quand même, on est assez bon aujourd'hui. On pourrait dire qu'on est en feu. On est en feu! On vous passe aussi, à travers des mots vocabulaires. L'écran, là, on le sait, on le ressent. Ben oui, votre intérêt nous motive. OK, on continue. Donc, la prochaine chose, c'est martyriser. OK. Le mot déplaisant. Oui, c'est très glauque. Si vous connaissez déjà c'est quoi la réponse, si vous pouvez le mettre dans les commentaires afin de nous aider dans notre quête à nous. Ah, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi? Vu que c'est si lourd comme mot, on peut voir quelle définition est le plus, disons, glauque ou lourd ou... Ouais, je pense... Oui, c'est une bonne idée, ça. OK, regardons à ce qu'il nous reste, là. OK. Disposer pour l'exposer au public? Je pense pas que j'ai des frissons. Contraction de voile? Ah, encore moins de frissons. Alors, il nous reste juste faire souffrir physiquement ou moralement. Ah, oui, ça y est. Ouais, soudainement, j'ai la chair de poule. Parfait. Donc, martyriser, c'est bel et bien faire souffrir physiquement et ou moralement. Je suis content qu'on a terminé avec ce terme-là. Alors, passons au prochain pour oublier celui-là. Alors, le prochain étant mettre en vue. Mettre en vue. Mettre en vue. Attends, il nous reste 2 définitions, là. C'est ça. On va être capable. Ben oui. Mettre en vue. Le mot « vue » peut nous donner un indice. Ouais. Vue.
Je pense pas que c'est contraction de voix-là. Parce qu'une contraction, non, normalement, c'est genre un raccourci de mots. C'est ça, c'est ça. Donc, ça doit être... disposé pour l'exposer au public. Boum! Chakalaka. Alors, on peut dire que mettre en vue donne la définition disposé pour l'exposer au public. Wow! Non, c'est super bien fait. Il nous en reste juste un, puis maintenant Mathieu est dans le loop avec nous. Donc, il va suivre avec nous. Mm-hmm. À cause qu'il reste juste une dernière définition, puis un seul mot, on sait que « lave-la », c'est bel et bien une contraction de « la voilà ». Effectivement, j'ai révisé ça tantôt, fait que je suis au courant que c'est bel et bien ça. Il est à jour. Mais... donc, ceci conclut notre activité grammaticale, puis on vous présente les réponses. Donc, prenez le temps de bien associer les bonnes choses aux bonnes définitions, puis je vais juste récapituler vitement avec vous. Donc, « ya », c'est bel et bien une variante de « il a ». Avoir l'air, c'est bel et bien se présenter, donner l'impression d'être. À nos trousses, c'est à la poursuite de quelqu'un pour l'attraper. Martyriser, c'est faire souffrir physiquement et ou moralement. Mettre en vue, c'est disposer pour l'exposer au public. Et finalement, lave-la, c'est une contraction de la voilà. Mm-hmm. Wow! Tu sais, voir toutes ces flèches me donne le goût de genre faire un retour à l'arrière. Retour à l'arrière? T'sais, genre, on retourne dans le passé? Ah! T'approches, t'as... Oui, un peu chaud. Je suis un peu chaud. Passé. La semaine passée. Non! Non? On va parler de géographie puis d'histoire cette semaine. Ah! OK, beaucoup dans le passé. OK, je comprends. Excusez. beaucoup. Oui, beaucoup dans le passé. OK. Donc, la présentation d'aujourd'hui porte sur notre trajet, l'Uronie, le Midland, le peuple Huron-Wendat, les missionnaires ainsi que la Nouvelle-France. Alors, sans plus tarder, commençons avec notre trajet. Alors, comme vous pouvez voir sur la belle carte, le cercle rouge, c'est cette région-là qu'on va parler aujourd'hui, c'est la région de Thunder Beach, Midland, Wasaga Beach, les Montagnes Bleues et bien sûr la baie Georgienne. Donc, l'Uronie. Le chalet de l'oncle de Mathieu se trouve à Thunder Beach dans le comté de Simcoe, mais les amateurs d'histoire parlent souvent de l'Uronie. C'est ici, chez les Huron-Wendat, qu'Étienne Brûlé et Samuel de Champlain ont passé du temps. D'ailleurs, il y a plein de plaques historiques qui se rapportent à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, il y a des plaques historiques le long des routes de campagne, dans les parcs, dans les champs. Cela démontre la richesse historique de la région. Ça ferait une bonne chasse au trésor. Il y en a sur le site où la première messe célébrée en Ontario, aux ossuaires utilisés par les Wendat, là où Champlain est arrivé. Il y en a dans les montagnes et les plages. Il y en a dans les grottes, sur les parcours d'aventure et les monts où l'on peut grimper pour voir la baie Georgienne et les montagnes bleues. Donc, juste ici, on voit une belle carte, parce qu'on peut bien identifier la baie Georgienne, qui est entre Sudbury et Thunder Beach, juste là, encerclée en noir. Puis juste à côté, les Montagnes Bleues, qui doublent comme station de ski l'hiver. Oh, le ski! Est-ce qu'on peut aller faire du ski, Sophie? Je veux vraiment aller faire du ski. Bien sûr! Parfait, continuons sur notre aventure. Alors maintenant, parlons de Midland. Ooh. À la fin de l'épisode, nous nous sommes dirigés vers Midland dans un site touristique très fréquenté, Sainte-Marie au Pays des Hurons. On y retrouve le musée du village Huronia et le sanctuaire des martyrs. Commençons avec le musée. C'est un musée avec une présentation sur les relations entre les Premières Nations et les Européens. En le visitant, il est possible d'avoir un bon aperçu du mode de vie des Wendat avant l'arrivée des Européens et comment ceux-ci ont influencé leur mode de vie. Alors si on se rapproche un peu de l'édifice au centre, on peut voir une belle image de la chapelle du village de Sainte-Marie au Pays des Hurons, Midland. Oh! Wow! Sophie, cette image-là, me semble qu'on l'a déjà vue en quelque part, non?
Oui, ça... Oui, j'ai déjà vu ça, c'est certain. C'est où encore? C'est... Oh, la bande dessinée tantôt! Ah oui, c'est ce que Adieu que... Machance nous montrait, là. Mm-hmm. Eh bien, ça tombe bien. J'aime ça, les références. Oui. Oh, alors maintenant, passons... Oui, effectivement. Alors maintenant, passons au sanctuaire des martyrs. Le sanctuaire des saints martyrs ressemble à de nombreuses basiliques du Vieux Monde. Les figures de Saint Jean de Brébeuf ou de Kateri Tekawita, sainte catholique, rappellent que nous sommes bien en Uronie. Même la voûte de l'église en bois rappelle le canot et le tipi. Le parc offre aux visiteurs une halte paisible. Au belvédère, on peut découvrir les rivages de la baie Georgienne. On peut se rendre au sanctuaire depuis le musée de Sainte-Marie par un petit sentier longeant la rivière vers la basilique. C'est le chemin que nous avons emprunté avec Aldéo Lachance. Oh! Donc, parlons de la Nouvelle-France. Premièrement, notre patrimoine. Pourquoi est-il important d'apprendre à propos de notre patrimoine? Puis pour cette question, il y a plusieurs réponses. Premièrement, pour apprendre des erreurs passées, pour faire le lien entre le passé et le présent, pour apprendre à connaître l'héritage de notre pays, pour comprendre les références dans la culture populaire, donc au théâtre, dans les romans ou dans les chansons, pour préserver l'histoire des personnages importants de notre histoire, pour bâtir une identité collective et finalement, pour se passionner pour une cause. Donc, on va aussi parler des colons aujourd'hui. Dans la question, quelle était l'importance de ces objets pour les premiers du Canada? Donc aujourd'hui, nous allons parler des canots, l'importance des raquettes, puis l'importance de les fourrures. Donc premièrement, les canots, afin de vous mettre dans une piste de réflexion, une bonne piste de réflexion, pensez au fait qu'il n'y avait pas d'autoroute dans le temps. Donc, on pourrait dire que les rivières puis les grands cours d'eau étaient les autoroutes de l'époque. Puis, c'est ce qui permettait de faire des échanges de fourrures puis d'échanges d'autres choses. Donc, en conséquent, les canots, c'est un moyen de transport utile. Si bien pour voyager sur les rivières et les rapides, pour le commerce, pour coloniser les régions, pour faire la traite des fourrures et pour la pêche et la chasse. Parfait. Merci, Sophie, pour cette belle information. Maintenant, passons aux raquettes. Alors, les raquettes étaient utilisées ou permettaient à ceux qui les utilisaient de marcher sur la neige vu qu'il n'y avait pas de sentier préfet. Alors, si on regarde en détail à quoi servent les raquettes sont utilisées comme moyen de transport utile pour se déplacer sur la neige, comme mentionné plus tôt, pour défricher les terres, pour ouvrir les sentiers et pour la chasse. Oui. Et prochainement, les fourrures. Donc, pensez à ceci. En réponse à la demande de l'Europe, l'échange de fourrures pour de l'argent permettait au monde d'explorer encore plus la Nouvelle Terre. Donc, non seulement c'est important pour faire des habits puis se garder au chaud, mais ça permettait de commencer à récolter de l'argent. Donc, en conséquent, la fourrure, c'est la première matière première exportée en Europe. Puis, elle servait entre autres à faire des chapeaux de feutre. De plus, la traite de fourrures servait aussi à appuyer les œuvres missionnaires et à financer l'exploitation et l'établissement des Européens sur le continent. Alors maintenant, parlons de Samuel de Champlain. Alors, qui est Samuel de Champlain? Mais avant tout, Samuel de Champlain est un explorateur. Mais si on veut aller en plus de détails, Samuel de Champlain est un cartographe, un explorateur, un administrateur colonial et un auteur. Il est connu comme le père de la Nouvelle-France. Samuel de Champlain joue un rôle majeur dans l'établissement de la colonie française entre 1603 à 1635. La deuxième question. Quel moyen de transport a-t-il utilisé pour explorer le continent? Puis pour vous mettre sur une bonne piste de réflexion, pensez à ce qu'on vient de voir. On vient de juste en parler. Puis ce sont les canots. Puis c'est bien pour le commerce. Donc,
Samuel de Champlain a utilisé le canot comme moyen de transport pour explorer les nouvelles terres, pour faire le commerce et pour élargir l'établissement des colons en Nouvelle-France. Puis selon vous, pourquoi a-t-il utilisé cette méthode? Ma réponse à cette question est parce que c'est la méthode la plus efficace. C'est vite pour y aller, puis c'est vite pour repartir puis revenir. C'est bien dit. Alors, passons à la prochaine question. Pourquoi le travail de cartographie était-il important? Mais avant de répondre à la question, il faut comprendre c'est quoi la cartographie. Alors, le mot cartographie, le terme, est un mot qui veut dire la création et l'étude des cartes. Donc, en pensant à ça, quelle était l'importance de créer et d'utiliser les cartes? Ben, les cartes permettent de mieux retrouver des lieux et ont permis aux colonisateurs de documenter l'Amérique. Alors, si on se rapproche sur la bulle, Samuel de Champlain publie la première carte moderne de l'Est du Canada. Il a déjà exploré et dessiné la carte des régions qu'il a explorées. Pour les autres régions, il utilise les cartes des Autochtones et leurs récits. Ces cartes sont dessinées à l'aide de la boussole, des mesures de la latitude faites avec le sextant et par l'estimation des distances. Après sa mort, ce sont les missionnaires jésuites qui fournissent le plus de renseignements géographiques aux cartographes européens. C'est sur ces cartes qu'on reconnaît pour la première fois les Grands Lacs. Oh. Alors, si on torse nos yeux vers la droite, on peut voir une superbe et belle image qui démontre les outils des explorateurs. Alors, ces outils-là étaient utilisés par tous les explorateurs et les cartographes. Alors, l'outil en haut, le centre de l'image, c'est le sextant. Alors, le sextant, c'était utilisé par les navigateurs pour mesurer les distances. Et là, si on regarde en dessous du sextant, on peut voir l'image de la boussole. Alors, la boussole, c'était utilisé pour déterminer si on se dirigeait vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Et la dernière question au sujet de Samuel de Champlain. Quel type de relation entretient-il avec les peuples autochtones de cette époque? Ça, j'en sais pas trop, mais on peut regarder une image afin de pouvoir nous repérer. Donc, comment cette image dépeint-elle la relation entre les peuples autochtones et les explorateurs? Ben, cette image montre que les colons utilisaient les autochtones pour leur connaissance des ressources naturelles et de leur connaissance de la terre à leur avantage. Ils prennent avantage de leur connaissance pour faire un troc qui n'était pas équitable. Puis un troc, en effet, c'est un échange de biens. Donc au fond, ce qu'on dit ici, c'est que non seulement que les colons utilisaient les autochtones puis leur connaissance pour leur avantage, mais faisaient des échanges avec eux qui n'étaient pas justes. La deuxième question ici demande, pensez-vous que l'interprétation artistique de cette image, parce que la photo n'existait pas, des peuples autochtones est réaliste du point de vue historique? Et la réponse est non, pour plusieurs raisons. Dans la première, à l'époque, il n'y avait pas de photographie, donc ils peignaient ou dessinaient pour représenter la réalité. L'artiste a rajouté son point de vue européen qui avait déjà des stéréotypes des Autochtones. De plus, les Autochtones ne portaient probablement pas un couvre-chef en faisant du canot, puisque le couvre-chef est un objet sacré réservé pour des cérémonies religieuses. Aussi, l'artiste essaie de donner la valorisation à Champlain, avec sa bonne posture et son bel habit. Par contre, Champlain n'aurait probablement pas aussi mis un si bel ami pour aller explorer. Donc, en gros, c'est une image idéaliste de la réalité. C'est bien dit. Alors, continuons et parlons des missionnaires. Les Jésuites. Sainte-Marie au pays des Hurons était un centre missionnaire jésuite situé au bord du marais Wye, maintenant une réserve nationale de la faune. Le but premier du centre était d'évangéliser les peuples autochtones. On y célébra la première messe en Ontario. Le père jésuite Jean de Brébeuf construit avec d'autres pères le fort Sainte-Marie afin d'établir une base auprès de la communauté Huron-Wendat, mais à l'écart des établissements Hurons. Il arrivait qu'on se sert du fort pour se protéger contre les attaques des Iroquois. Avec l'aide d'Étienne Brûlé, les jésuites ont appris à parler la langue des Hurons. Le peuple Huron-Wendat. La contribution des Autochtones. Lorsque les explorateurs et les colons français sont arrivés en Ontario, ils sont entrés en contact avec les Anishinabés, Huron-Wendat, qui vivaient près du lac Huron.
Qu'est-ce que les Oromwenda t'ont enseigné aux Européens? Allons voir. Ouh! Donc, ici, vous allez bien voir quatre. Ça, c'est pas toutes les choses qui ont contribué, mais on va focaliser sur quatre choses qui ont contribué. Puis, à chaque chose, on a un petit indice pour nous mettre sur la bonne piste. Donc, la première indice est la nourriture. Donc, pour celle-là, pensez à comment conserver la nourriture pendant l'hiver, puis à toutes les différentes saisons, puis les types de nourriture qu'on peut retrouver dans une forêt. T'sais, est-ce qu'elles sont toutes bonnes à manger? Donc, les Premières Nations ont appris aux Français à pêcher dans les rivières, à traquer le gibier, à récolter l'eau d'érable et le riz sauvage, à piéger les animaux à fourrure, à faire sécher la viande et à éviter les plantes indésirables. T'sais, on peut manger un bleuet, mais on peut pas manger une plante qui pourrait nous tuer. Puis, plusieurs autres choses. Merci Sophie. En continuant, la prochaine indice qui nous est présentée est transport. Alors, en gardant cet indice en tête, quel autre moyen de transport y avait-il? Puisque les chariots n'étaient pas au Canada à cette époque. Pense encore à l'hiver. Comment est-ce qu'ils se déplaçaient en hiver puisqu'il faisait très froid? Oui, surtout un hiver canadien. Nous, on connaît ça. Oui. Alors, les Premières Nations ont appris aux Français à fabriquer, à naviguer en canot, à se promener en forêt sans chemin, à voyager pendant la période de l'hiver, à fabriquer des raquettes et encore plus. Wow! C'est quand même une grosse quantité de choses à apprendre. Ouais, ils ont suivi des cours. Oui. Donc, la troisième indice est la maladie. Donc, je vous invite à penser aux maladies que les pionniers ont eues pendant la traversée au Canada. Les pionniers ont aussi apporté avec eux plusieurs maladies de l'Europe. Puis à l'arrivée des colons, beaucoup d'Autochtones sont morts à cause de ces maladies étrangères. Donc, les Premières Nations ont appris aux Français à combattre certaines maladies avec les plantes et les ressources de la nature. Par exemple, entre autres, le scorbut, une maladie due à la carence alimentaire en vitamine C. Les Premières Nations préparaient un thé à base de brindilles, d'épinettes blanches bouillies et d'écorce. Ce thé était riche en vitamine C et rétablissait les malades. Je sais pas, soudainement, j'ai le goût de manger une quantité industrielle d'oranges. Les oranges. Tu sais, moi, je pourrais aller pour un gros verre de jus d'orange présentement. Ça serait formidable avec mes œufs brouillés. OK. Passons à la prochaine indice et dernière indice. Celle-ci étant l'hiver. Alors, quand on pense à l'hiver, pensez aux vêtements et comment ils sont construits, ces vêtements. Comment est-ce qu'ils se gardaient au chaud pendant l'hiver? Alors, les Premières Nations ont appris aux Français à combattre l'hiver sur le continent. Ils ont enseigné aux colons à fabriquer des vêtements chauds, des bottes, mocassins, des manteaux, parkas et des mitaines. Ils leur ont enseigné à construire des abris temporaires pour faire la chasse, à utiliser les ressources de la nature pour fabriquer des paniers et des outils. Wow! C'est toute la belle information, ça. Oui. Mais ceci conclut notre première partie de la présentation. Sophie, si tu veux présenter la deuxième belle partie de la présentation. Oui, ça me ferait plaisir. Donc, comme d'habitude, nous avons préparé des fiches de questions pour vous, pour répondre avec vous aujourd'hui. C'est bien dit. Alors, les fiches, c'est comme les semaines d'avant. Ces fiches sont remplies de questions, quelques questions en développement, quelques questions à réponses courtes et quelques questions à des réponses personnelles. Alors, sans plus tarder, commençons avec la première fiche. Le chalet de mon oncle est situé dans le comté de Simcoe, mais les amateurs d'histoire parlent souvent de l'Huronie. De là, nous nous sommes rendus au village Sainte-Marie au pays des Hurons pour rencontrer Aldéo Lachance dans le Midland. Que sais-tu de l'Huronie et de Midland? Ouh! Puis pour ces fiches, la manière dont on va procéder, c'est que on va donner des pistes de réflexion pour chaque question, en discuter, parler des hypothèses, recevoir vos réponses dans les commentaires, puis seulement à la fin de la fiche qu'on va toutes voir les réponses ensemble, puis ouais, en discuter. Donc, la première question est, où se trouvent ces villes ou régions?
Donc, n'hésitez surtout pas de mettre vos réponses ou bien hypothèses dans les commentaires afin de partir une discussion avec vos camarades ou avec toi-même. Une discussion personnelle. Oui. Mais tu sais qu'est-ce que je trouve qui est assez intéressant? Quoi? On parle d'Uronie puis de Midland, puis il y a aussi le lac Huron, hein? Mm-hmm. Ah ben, on pourrait dire que c'est ironique, non? Oui. C'est, okay. c'était le moment de placer ma joke. Poche. C'est moi juste cocher ça. Ok. Continuons. Oui, non, t'as raison. Sérieux. T'as raison, on parlait du lac Huron. Ou c'est dans cette région-là. Mais quelle est la région en particulier du lac Huron? Ben, on sait que une baie fait partie du lac Huron. Ouais. Mm-hmm. Ça, c'est ton ordre du lac Huron, cette baie-là. Oui. Je pense que c'est assez d'informations à divulguer. Je pense que tu as raison. Alors, continuons avec la prochaine question. Oui. Nomme des personnages historiques qui ont influencé l'histoire de ces villes, régions. Ouh. Quel personnage important. Mais la semaine passée, on avait discuté d'un personnage important en détail. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'était quoi son nom encore? Quelque chose brouillé, c'est ça? Non, ok, Mathieu, toi pis tes oeufs, là, c'est Étienne Brûlé. Brûlé, brouillé. Ouais, non, c'est pas pareil. qui d'autre? Ah, le monsieur, avec le nom, un peu comique. C'est quoi, c'est? Bœuf, bœuf, bœuf. Brébeuf. Brébeuf, oui, oui, c'était quoi encore son prénom? C'était... Le père. Le père, je pense que c'était plutôt son titre, ça, mais le père Jean. Jean? C'était ça? Ça se peut, on va le savoir plus tard. Mais je trouve que c'est assez proche de ce que ça devrait être, à mon avis. Ok. Quoi d'autre? On a aussi discuté. Qu'il reste. Non, mais on a discuté deux autres figures importantes dans notre présentation. Mais, j'ai rien qui m'est en tête présentement. Mais je pense que c'est le temps qu'on continue avec les prochaines questions, non? Oui. Donc, la prochaine question est... Nomme un village important du Midland. Nomme des sites historiques de cette ville. Donc, si vous connaissez déjà si vous avez déjà des choses en tête ou vous connaissez déjà une réponse, mettez-les dans les commentaires afin de pouvoir nous aider dans notre quête de réponses. Nom de village. C'était pas genre un nom vraiment, mais vraiment composé. Oui, 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 oui. Le nombre de traits d'union était astronomique. Il y avait comme 5-6 traits d'union. c'est quoi encore? C'est. Ah oui, oui, oui. Sainte. Marie. O. Pays. Des. J'ai oublié le dernier terme. Ouais, moi aussi. Bon. Bon. C'est quel autre lieu historique qu'on a visité aujourd'hui? Qu'on a parlé? Ah oui, oui, tu parlais de ski. Oui, sur ces montagnes-là. Oui, mais c'est pas encore le nom des montagnes. Les montagnes de couleur rouge, peut-être? Rouge? Jaune? Peut-être? Quelque chose à mijoter. Oui, c'est quelque chose à garder en tête. C'est un genre de sanctuaire de quelconque... Un autre lieu historique de la région, c'est quoi encore? C'est sanctuaire de Saint... De... Ça m'échappe. On peut passer à la prochaine question. Ah, t'as raison. Pourquoi y a-t-il plusieurs plaques historiques dans cette région? Ah, mais tu sais, les plaques historiques à Ottawa,
quand j'y vais à Ottawa. Lorsque tu descends le boulevard Saint-Joseph, il y a plusieurs plaques de différents lieux qu'il y avait avant qui ont rebâti des nouvelles choses, comme des fermes d'avocats, puis des McDo, puis etc. Mm-hmm. Mais auparavant, hein, c'était d'autres places, puis ça disait exactement qu'est-ce que c'était sur les plaques, puis c'est super le fun à regarder. Mm-hmm. Ça expliquait l'historique et le tout. C'est ça. Oh. Puis il y en avait plusieurs. Puis ils font ça pareillement au centre-ville. Mm-hmm. Oui, oui. Du Parlement, puis... Mm-hmm. Ça explique l'historique un peu de l'édifice ou des environs. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais je pense qu'avec ça, on peut passer à la fiche de réponse. Oui. Alors, les réponses pour la fiche. Hein. Commençons avec la première question. Où se trouvent ces villes, régions? Ils se trouvent sur les rives de la baie Géorgienne, dans la partie nord du lac Huron, en Ontario. Passons à la prochaine question. Les personnages importants sont Étienne Brûlé, le père Jean de Brébeuf, jésuite, Samuel de Champlain, Catherine Tekawita, sainte catholique autochtone. Passons à la troisième question. Le village important se nomme Sainte-Marie au pays des Hurons. Les lieux historiques sont les Montagnes Bleues, les sanctuaires des Saints Martyrs, le musée du village Huronia et la réserve nationale de la faune du marais Wye. Et la dernière question. Les nombreuses plaques démontrent les richesses historiques de ces lieux, que ce soit dans les parcs, les champs, les montagnes, les grottes, les sanctuaires, etc. Ah, c'est pour ça qu'il y a plusieurs plaques à Ottawa. Puis... Oui. Alors, on va vous donner quelques minutes à juste retaper, quelques secondes à faire sûr que vous avez au moins retranscrit quelques réponses. Parce qu'on est sûr et certain que vos réponses sont bel et bien correctes, mais il y a tellement de réponses que, tu sais, si on les énumérait tous, on serait ici pour... Assez de temps. Alors, ouais. Sophie, pendant qu'ils font ça, tu t'attends-tu de faire une toune comme la semaine passée? T'sais, j'ai quelques idées à propager. Peut-être on a un beat qui rentre, puis genre, j'ai une chorégraphie qu'on pourrait rajouter à... Tu sais, Mathieu, ça me ferait plaisir, mais c'est que on a reçu plusieurs plaintes la dernière fois. Ah. Ouais, on a reçu des plaintes de... Ouais, de mes voisins, premièrement, de mes parents, de tes parents, de nos cousins, nos cousines. Ouais, c'était un peu intense. Donc est-ce que notre admirateur secret, il a envoyé une plainte? Ah! Cette personne-là, non. Oh, une chance. Ouais, une chance. Okay, on sauve ça pour une autre fois. C'est correct. On va passer à la prochaine fiche. Donc... Nous nous sommes rendus à un endroit nommé le Sainte-Marie au pays des Hurons, dans le Midland. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur l'histoire des premiers habitants et des relations qu'ils ont entretenues avec le peuple de Huron-Wendat. Que sais-tu de l'établissement des Européens dans cette région? Donc, comme on l'a fait avec l'autre fiche, nous allons passer à des pistes de réflexion pour chaque question pour ensuite révéler les réponses à la fin de la fiche. Alors, passons avec la première question. Quelle était la source principale de commerce en Huronie? Avec qui faisait-on du troc? Donc, si vous avez déjà des idées en tête ou des choses que vous aimeriez partager, n'oubliez pas de mettre ces réponses-là dans les commentaires afin de nous aider. Tu n'avais pas mentionné une autoroute tantôt? Oui, ouais, pour faire le commerce, ils utilisaient les canaux. Les canaux. Les canaux. Donc, Puis on avait parlé de d'autres choses qui étaient assez importantes pour les colons. Ah, c'est quoi? Quelque chose qu'on pouvait vendre, qu'on utilisait pour faire du troc. Quelque chose qui était poilu, genre? Ouais, qui peut te garder au chaud. Tu peux faire des chapeaux de feutre avec. Des mitaines. Puis, avec qui faisait-on du troc? Mm.
probablement avec le peuple qui était déjà présent sur les terres. Je pense que t'as raison. C'est bien réfléchi. On peut passer à la prochaine question. Oui. Qui était Samuel de Champlain et nomme quelques-unes de ses réalisations? On avait mentionné tantôt que Samuel de Champlain, c'était un explorateur. Oui, ça je m'en rappelle. Donc... Un explorateur français de la France. Il a joué... Ouais, il me semble qu'il a joué un rôle assez énorme dans l'établissement des colonies françaises en Amérique du Nord. Ah, il était très crucial, oui. Mais c'est en quelle année, ça, encore? Quelle période? Peut-être une année qui commence avec le chiffre 1. Suivi par un 6. Puis peut-être suivi par 2-0, mais je sais pas. C'est une piste. C'est une piste. C'est juste une piste. Mais il est aussi un auteur de plusieurs œuvres, des ouvrages. Ouais, mais semble il faisait des cartes aussi, hein. Ouais, il était un cartographe. Ou il étudiait la cartographie. La cartographie. C'est bien réfléchi. Je pense qu'on est correct pour celle-là. Passons à la prochaine. Quelle est la mission des pères missionnaires jésuites en Huronie? Donc, si vous avez déjà des idées en tête, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires afin de pouvoir participer dans les discussions avec nous. Mais ici, on dirait la réponse peut se retrouver dans la question. C'est genre, quelle est la mission des pères missionnaires jésuites en Huronie? Semble qu'il y avait un but en tête. Oui. Peut-être c'était de répandre une connaissance ou quelque chose de ce genre. Propager la bonne nouvelle. Ah, ça se peut fortement. Mais il y a un terme en particulier que je cherche. Oui, un verbe. Oh, ça me vient pas. Je le sais pas. On va le savoir plus tard. Et la dernière question. Nomme quelques-unes des contributions des Huron-Wendat dans l'établissement des colons en Nouvelle-France. Ça, c'est une question qui aurait tellement, mais tellement de réponses, j'en suis certaine. Tellement différentes formulations de phrases. Oui. Ben, on le sait qu'à la base, les Autochtones ont aidé les Européens à survivre sur le continent. Oui, c'est certain. Ils ont eu la chance des enseigner un peu leur méthode. Mais c'est quoi au juste qu'ils ont enseigné? Vraiment des choses qu'il avait besoin de faire, tu sais, des choses qui font partie du quotidien de quelqu'un. Genre, moi, je mange à tous les jours. Fabrication de vêtements, peut-être. Quoi d'autre? Ah, ça aussi. J'utilise mon cerveau tellement, tellement présentement, là, ça fait mal. Peut-être leur apprendre comment bien s'orienter sur les terres, vu qu'ils les connaissaient déjà. C'est vrai. Comment se déplacer de point A à point B, sans se perdre. Ouais, ça demeure une réponse, mais une question qui a plusieurs réponses. Donc, parlons de réponses, on va passer à la fiche de réponses. Bon, donc, pour la première... Quelle était la source principale de commerce en Huronie, puis avec qui faisait-on du troc? La réponse est, on faisait du commerce en canot. Oui, la traite de fourrure était très lucrative.
Les peuples autochtones, dont les Hurons-Wendat, ont grandement collaboré à l'établissement des Européens sur le continent. Deuxièmement, Samuel de Champlain est un explorateur envoyé par la France. Il a joué un rôle majeur dans l'établissement de la colonie française au début des années 1600. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'exploration de la Nouvelle-France et il a dessiné plusieurs cartes du Nouveau Monde. Pour la question « Quelle est la mission du départ missionnaire jésuite en Huronie? » Donc, ils veulent évangéliser les Hurons-Wendat. Ben oui. 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 Ils ont aussi collaboré à l'établissement des Français dans le Nouveau Monde. Mmh. Et la dernière question nomme quelques-unes des contributions des Hurons-Wendat dans l'établissement des colons en Nouvelle-France. Puis je souligne le fait que ça dit juste quelques-unes, donc on sait très bien qu'il y en a bien plus. Les peuples autochtones ont aidé les Européens à survivre au scorbut, aux hivers difficiles, à s'établir grâce à l'argent obtenu par la traite des fourrures. Les Hurons-Wendat ont enseigné aux colonisateurs à trouver de la nourriture, à faire des vêtements pour l'hiver, à s'orienter dans des nouvelles terres, à se déplacer sur les lacs et rivières, à utiliser les ressources de la nature pour fabriquer des objets, des habits et des outils. Wow. C'est une grosse liste quand tu mets ça un après l'autre. Oh que oui! Ça, c'est juste un petit morceau. Ah, wow! Je suis vraiment curieux de voir... Ouais, une fraction. Je suis vraiment curieux de voir comment... Combien est-ce que les Européens ont appris des Premières Nations durant Wendat? Oui, pareillement. Ça, pour une autre fois. Donc, ceci conclut nos activités avec les fiches d'aujourd'hui qui étaient remplies d'informations puis de choses amusantes à savoir. Donc, merci d'avoir participé à cette activité avec nous. Merci. Oh, Sophie, j'ai un peu mal à la tête, là. Mon cerveau, il est... Je peux pas vraiment décrire avec des mots comment est-ce qu'il se sent. Il est stable, il veut faire dodo, il veut bouger, pas trop sûr dans quelle direction qu'il veut aller. Mais... Tu sais qu'est-ce qui serait rafraîchissant? Quoi? Un bon défi d'évasion! Ah ben oui, je pense que t'as raison. On va s'essayer. Oui, donc c'est l'heure du défi d'évasion de la semaine. Donc, comme d'habitude, assurez-vous d'avoir votre décodeur ainsi que votre feuille de suivi à vos côtés pour bien inscrire vos nouvelles découvertes. Donc, la semaine passée, nous avons trouvé la lettre N pour ensuite nous révéler la lettre décodée J. Donc, on peut passer à la mise en lecture, Mathieu. J'arrive, Sophie. Chers amis, bien sûr, le code c'est 1633. Tout le monde sait qu'Étienne Brûlé est mort en 1633 et non pas en 1655 comme l'indiquait la couverture du livre. Sophie et moi avons découvert derrière cette porte une chambre secrète où mon oncle entreposait plusieurs artefacts impressionnants. Il y avait aussi une lettre qui m'était adressée. Apparemment, une importante mission confiée à ma famille repose sur moi maintenant que mon oncle Édouard est décédé. Il nous faut trouver cette lettre. Aidez-nous, Mathieu. OK. Donc, aujourd'hui, nous réservons une petite surprise pour vous. Nous n'avons pas seulement juste une lettre à décoder aujourd'hui, mais deux. Donc, oui, nous allons trouver les lettres à partir des énigmes. Dont la première, corrige les 7 erreurs dans le texte ci-dessous. 7 erreurs. Ah, c'est de la grammaire, ça. Ouf! OK. Travail d'équipe. Je vais lire le texte pour qu'on se familiarise avec c'est quoi qui est écrit. L'ordre de Jacques Cartier a été fondé par Jacques Cartier afin de maintenir un équilibre entre la race humaine et les forces surnaturelles. Jacques Cartier s'est rendu au Nouveau Monde pour cacher une arme qui, entre les mauvaises mains, aurait des conséquences catastrophiques pour le monde. Pendant des années, l'ordre a protégé l'emplacement de cette arme. Donc, on sait qu'il y a 7 erreurs. Puis, si vous voyez déjà des erreurs, puis vous êtes des experts en grammaire, laissez vos réponses dans les commentaires. Nous, on va prendre notre temps. Hey, Sophie. Sais-tu ce qui serait vraiment drôle? Imagine que Jacques, ça prendrait 2 S. Genre,
Puis genre, au lieu de dire Jacques, ça serait Jacques. Jacques Cartier. Ça sort d'où ça? Je sais pas, genre, j'ai vu Jacques tantôt. Puis genre, depuis tantôt, ça mijote dans dans le fond de mon cerveau. Puis je me suis dit, pourquoi pas 2S? Tu sais? Genre que certainement pas 2S. Mais ça serait cool. Jacques Cartier, l'héros de la France, celui du Nouveau Monde, tu sais. Ok. Ah, ta théorie sur la lettre S, là, ça me révèle quelque chose, je dirais. Ah ouais? Je dirais peut-être qu'il manque des S à plusieurs mots dans le texte. C'est quoi? Relis le texte, puis je vais te dire quand il manque des S. Ok, c'est quoi le mot de stop? Je vais faire bip Bip bip. bip, ok. L'ordre de Jacques Cartier a été fondé par Jacques Cartier afin de maintenir un équilibre entre la race humaine et les forces surnaturelles. Bip 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 bip. Oui, donc, dans la dernière phrase que Mathieu vient de bien lire, c'est les forces, donc force prendrait un S, puis surnaturel aussi prendrait un S par conséquent. Continue. Fait que là, on est rendu à 5 erreurs qui nous restent. Correct? Correct. Parfait. Jacques Cartier s'est rendu au Nouveau Monde pour cacher une arme qui, entre de mauvaises mains, aurait des conséquences catastrophiques pour le monde. Bip, 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 bip. Là, ça, mon alarme, elle va super fort. Il y a plusieurs erreurs dans cette dernière phrase. Donc, premièrement, entre de mauvaises, S, mais aussi avec un S, aurait des conséquences, S, vu que c'est des conséquences, c'est pas juste une conséquence. Puis ensuite, catastrophique, S aussi. Alors maintenant, il nous reste une erreur. OK. Effectivement. Je lis la dernière phrase. Pendant des années, l'ordre a protégé l'emplacement de cette arme. Et le bip-bip final. C'est juste au début de la phrase, pendant des années. Donc, année aussi devrait prendre un S. OK, parfait. C'est noté. Alors, Et voilà. donc la lettre qu'on a corrigée, les erreurs avec, c'est effectivement le S. Oui, donc le S est notre lettre encadrée. Et nous avons maintenant toutes les informations nécessaires pour passer au décodage. Donc, prenez vos décodeurs en main et comme d'habitude, placez-la à sa forme initiale, c'est-à-dire le A en dessous du A, comme ceci. Donc, la clé du code pour l'énigme est le chiffre 13. Donc, vous allez prendre votre roulette du haut et le déplacer jusqu'au chiffre 13. Et ceci nous montre la lettre M. Donc, nous allons prendre le M comme ceci, puis le déplacer jusqu'en dessous du A. Puis votre décodeur devrait maintenant ressembler à ceci. Donc, le M en dessous du A. Puis nous savons que notre lettre encadrée est S. Donc, nous allons chercher le S sur notre plan blanc. Puis le S est associé à la lettre E. Donc, par conséquent, la lettre décodée de cette semaine est la lettre E. Ouf! C'était beaucoup de manipulation. Oui, ça devient intense. Donc, Alors, un de fait. Passons à la prochaine. Deuxième énigme. Ouh. Ah, cette fois-ci, on a trois erreurs. Alors, je Corrige les vais... trois erreurs dans le texte ci-dessous. Alors, je vais relire le texte. Cher Mathieu, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. L'importante mission confiée à notre famille repose maintenant sur toi. Écoute l'enregistrement et tu comprendras le tout. Ensuite, quitte le chalet au plus vite et rends-toi au sanctuaire des martyrs à Midland. Trouve à Léo la chance et il saura t'aider. J'aurais aimé pouvoir t'expliquer en personne, mais le sort en a décidé autrement. Ton oncle bien-aimé, Edward. Ouh! Bon. Si vous avez déjà vu des erreurs pendant que Mathieu lisait la lettre, laissez vos réponses puis vos hypothèses dans les commentaires afin de pouvoir nous aider pendant ce défi, qui est très différent des autres.
Tu m'en sens encore que c'est la lettre S qui manque? Je vais voir. Si... Ah, mais regarde, dans la première phrase, si tu lis, le mot lit devrait prendre un S et non un T. Puisque c'est un tu. Oui, c'est ça, avec un tu, on met des S. Parfait. Ah, oh, mais peut-être c'est ça le pattern. Si vous voyez une suite ou un pattern, désolé du franglais, notez-le dans les commentaires afin de pouvoir pousser notre réflexion encore plus loin. Parfait. Alors, c'est un S. Ok, je recommence ma lecture. Oui, oui. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. L'importante mission confiée à notre famille repose maintenant sur toi. Écoute l'enregistrement et tu comprendras tout. Ah, Mathieu. Oui? Et tu comprendras. Ça prend un S aussi. Mais oui, ok, on note ça. Comprendra, oh. S. Alors, je continue. Ensuite, quitte le chalet au plus vite et rends-toi au sanctuaire des martyrs à Midland. Trouve Aldéo la chance et il sera t'aidé. Tu voulais-tu dire quelque chose, Sophie? Je pense que quelque chose m'est sauté aux yeux. Je suis pas mal certaine que rends-toi, le rang devrait prendre un S. Ok. Alors. Puis ça, c'est notre troisième erreur. Oui. Donc ça serait lit avec un S, comprendra avec un S, ainsi que rends-toi avec un S. Puis les voilà! Donc. Comme dans la dernière, dans l'autre défi qu'on vient juste de faire ensemble de grammaire, la lettre encadrée est, tout de même, la lettre S. Bon, on peut maintenant passer au décodage encore une fois. Donc maintenant, c'est vraiment important de vous assurer que votre décodeur est à sa forme initiale, parce qu'on vient juste de décoder une lettre. Donc assurez-vous que le A est en dessous du A, comme ceci. Donc, la clé du code est le chiffre 2. Donc, c'est pas un long voyage à faire avec votre roulette du haut, juste à côté. Vous le mettez sur le 2. Ceci nous montre la lettre B, qu'on va mettre en dessous du A, juste à côté. Et voilà. Votre décodeur devrait ressembler à ceci. Décalé de genre une lettre. Puis ensuite, nous allons trouver notre lettre encadrée, qui est quand même le S. Et ceci nous révèle la lettre T. Ah ben oui! Excusez, j'avais mon affaire à l'envers. C'est correct. Donc voilà, notre deuxième lettre décodée de cette semaine est la lettre T. Wow! Ok. Ouais, je pense que là, je me sens super. Là, je suis prêt pour une autre présentation. On y va. Oh, Mathieu? Okay. Ouais? Quelle heure est-il? Il est l'heure de te pogner une montre. Ok, non, Mathieu, là, je te pose la même question à chaque semaine, puis c'est juste pour te dire que c'est l'heure de la fin. Déjà? Malheureusement. Je te dis, à chaque semaine, on dirait que le temps passe tellement plus vite. C'est malade, c'est fou. C'est vrai, parce que le temps passe super vite, surtout lorsqu'on s'en amuse. Donc, juste pour vous rappeler de ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, nous avons débuté avec une lecture de la nouvelle section de la bande dessinée, puis on a vraiment hâte de savoir ce qu'Aldéo la chance a à nous montrer. Puis ensuite, nous avons fait un autre exercice de vocabulaire, où est-ce qu'on a pu ajouter une autre banque de mots qui ressemblait au mot martyrisé puis éviscéré. En tout cas, plus tard, on a fait une présentation puis des fiches de questions qui portaient sur notre trajet, l'ironie, Midland, la Nouvelle-France, le peuple Huron-Wendat, puis les missionnaires. Et alors, nous avons trouvé non seulement une, désolé, mais deux nouvelles lettres pour notre défi d'évasion. Ça m'excite trop, faut juste que je le dise. Ouais, c'est beau, écoute, c'est de ma faute, j'ai essayé de te couper. Mais revenez nous revoir dans deux semaines, pas une semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Oui. Pour la dernière épisode de la série. Wow. Déjà la fin. Mais ça passe, on va voir ce qu'Aldéo a à nous présenter, puis on ne sait pas, peut-être ça va contribuer avec les mystères en Ontario. Oh. C'est ça. Puis si jamais vous voulez vous procurer votre propre copie de la bande dessinée, le lien va être dans la description.
Alors, sans plus tarder, merci de nous avoir accompagnés cette semaine et on espère vous revoir dans 2 semaines pour la dernière épisode. Alors, sans plus tarder, bon après-midi! Bon après-midi!